à tous, c'est Smashou et on se retrouve pour le match numéro donc 2 de ce round 2 du tournoi jeuxvideo.com numéro 1 organisé par nos soins. Voilà, qui va opposer donc Erwan Fringus 44 aka Erwan dans le jeu à moi-même Mario Smash aka Martial dans le jeu puisque c'est mon prénom. Voilà, donc la team de Fringus44 se compose de, on l'a vu, Scalproi, Muplodocus, Flambusard, Maconieur, Amphinobi et enfin Florizard. Une team plutôt sympa, plutôt solide, un peu mixtière puisque Muplodocus est UU et Maconieur également, il me semble. Voilà, donc pour ma part, j'ai ma team Tempête de Sable. Hippodocus, Cryptero, Sablero, Méga Tyrannosif, Melodelf et enfin Noacier. Pas grand chose à dire sur ma team. Je pense que les habitués la connaissent puisque j'ai fait plusieurs vidéos avec. Bientôt il y aura des modifications. On va lancer le match tout de suite. Alors, donc ce match a été vraiment pas mal. Alors, c'est le matin, désolé, je suis un peu fatigué. Alors. Donc Fringus envoie en premier son Florizard, anticipant bien mon starter Hippodocus tout simplement. Sable volant, la tempête de sable est là pour 8 tours parce que mon Hippodocus tient la roche lisse. Je décide de switcher, ne pas le laisser contre une attaque plante ou une vampigraine ou quoi que ce soit et mettre mon Cryptero tranquillement qui prend pas les vampigraines et qui résiste à la plante. Le méga Florizard évidemment est dans la place, il méga évolue Écosphère. C'est pas très efficace, ça ne suffit pas à faire beaucoup de dégâts à mon antique. Quelques dégâts de tempête de sable. Je décide de faire un choc psy parce qu'il a une bonne défense spéciale, Florizard, donc choc psy passe à travers et c'est pas mal. Poudre dodo qui endort directement mon Cryptero. Malgré les 75% de précision, je pense que ça marche quand même assez souvent. Donc très bien, Cryptero est endormi. Je décide de rester un tour pour voir. Bomberk, donc là les dégâts vont être beaucoup plus sérieux. Évidemment, mon Cryptero est à 23 PV. Je décide de le switcher parce qu'il peut encore être très important, notamment contre le Maconieur, si j'arrive à faire un atterrissage ou lui donner quelques PV grâce à un vœu. Je décide de mettre Noacier tranquillement qui encaisse la Bomberk puisqu'il y est immunisé. Vampigraine de la part du Florizard qui n'affecte pas Noacier. Peut-être une anticipation de switch qui ne s'est pas avérée juste. Je décide de placer mes pièges de rock. Ça c'est fait. Un switch de la part de Fringus44 pendant que j'avais lancé. Donc évidemment les pièges de rock. Une Vampigraine m'attendant au switch. Donc c'est bien anticipé. Des deux côtés, puisque bon, d'accord, il switch, mais lui a switché sur Muplodocus qui possède Herbivore, donc bien vu aussi, pas mal contre Noacier ce Muplodocus. Je décide donc de switcher, d'envoyer mon Rose des Sables pour voir déjà si ce Muplodocus possède lance-flamme ou non. En effet, il possède lance-flamme, mon Melodelf l'encaisse tranquillement et récupère un peu avec les restes. Évidemment, Melodelf qui ne prend pas les dégâts du climat grâce à son talent Garde Magique, qui est le même talent que Cryptero, qui est vraiment très utile. Aucun dégât de recul, aucun dégât de statut, ni de piège de roc, etc. Je décide de faire Aromathérapie, tout simplement pour réveiller mon Cryptero. C'est ce qui m'a semblé le plus important à faire à ce moment du match. Donc ça a été ma première action avec Melodelf. Donc là, je me suis dit, on va voir ce que ce Scalproi nous réserve. Si peut-être une attaque acier, on va quand même mettre Bac à Sable, histoire de remettre une couche de Tempête de Sable pour 8 tours. Mais aussi, en cas de Dance Slam, pouvoir faire Hurlement. Donc ce Scalproi lance une Tête de Fer, Orbe Vie, qui fait quand même assez mal. Il est ensuite retiré pour Flambusard, qui va s'empaler sur les pièges de roc. Et là j'avais lancé Hurlement, donc vraiment pas de chance pour ce Flambusard. Et Scalproi revient en jeu. Donc l'action n'a servi à rien du côté de Fringus44, si ce n'est à retirer la moitié des PV de son Flambusard. Ce qui m'a fait vraiment plaisir, parce que Flambusard est un Pokémon que
J'apprécie pas particulièrement. Parce que je trouve qu'une attaque à 140 stabé, enfin 120 stabé prioritaire, c'est quand même très très fort. Même si évidemment, c'est tout à fait contrable. Donc Muplodocus commence à prendre assez cher sur un séisme. Je décide de switcher et d'envoyer mon Mélodelphe, qui est une éponge orientée spéciale. Il prend un Dracochoc tranquillement puisqu'il est immunisé. Le Muplodocus pardon, est quasiment KO. Pendant que le Mélodelphe, lui, est quasiment full vie. Un petit Laser Glass, on tente de faire quelques dégâts et éventuellement d'avoir du gel. Ça ne fonctionne pas. Et Pouvoir Lunaire va finir ce Muplodocus tranquillou. Donc, ok. Première victime du match, il me semble. Mon Rose des Sables est dans la place. Et c'est Scalproix qui prend le relais. Alors là, je me suis dit, il va penser que je switch. Il va faire une autre action de tête de fer, donc je vais rester. Et je vais lancer le pouvoir lunaire, voir les dégâts que ça lui fait. J'ai bien fait, puisque lui lance dans Slam. Et je lance un pouvoir lunaire qui fait quand même des bons dégâts. Neutre, mais quand même des bons dégâts. Bon, ce Scalproix, il faut quand même faire attention. Il est attaque x2 maintenant. On va quand même pas trop rester. Et on va envoyer Miss Pointu, qui possède épine de fer et le casque brut, qui va donc venir à bout tranquillement de son Scalproix, tête de fer qui fait quand même des dégâts très bons, même si c'est pas très efficace. Le Scalproix prend cher sur l'épine de fer et le casque brut. Il perd quelques PX en orbe vie, il est KO. Donc il aura pas fait long feu face à Noacier. Avec tous ses dégâts résiduels, ça fait très mal. Le Fister, avec ce super surnom. Donc là j'ai décidé de laisser mon Noacier. J'avais pas vraiment de switch safe. Donc le Noacier se fait évidemment défoncer par Dynamo Point. Par contre, les épines de fer et le casque brut infusent quelques dégâts à Smacogneur. La tempête de sable se calme. Je décide évidemment d'envoyer mon Hippodocus pour la remettre pendant 8 tours. C'est un peu le principe, hein. Quand on veut la tempête de sable, on essaye de l'avoir un maximum de temps. Dynamo Point évidemment qui va faire des bons dégâts et qui va rendre confus mon Hippodocus. C'est très gênant cette attaque. Heureusement pour moi, je passe outre cette confusion et parviens à lancer un séisme qui laisse son Macogneur dans le rouge en additionnant avec les dégâts de la tempête de sable. Je décide de switcher pour sauver mon Hippodocus et de mettre Mélodelphe sur un Dynamo Point qui prend quand même pas mal, mais moins de la moitié, qui est confus. La tempête de sable inflige des dégâts au Macogneur. Bon, là je savais pas trop quoi faire. Je décide de re-switcher, d'envoyer mon Slender, qui encaisse tranquillement ce pistolet point. Parce qu'il a quand même une bonne défense, hein, Sablero. Et je décide de lancer un séisme, évidemment. Sablero est très rapide sous la tempête de sable. 229 de vitesse en temps normal. Doublé sous la tempête de sable, ça fait du 458, si je ne m'abuse. Amphinomie, bon. Piège de roc. Je me suis dit, on va essayer de le taper. Séisme, stabé, qui fait des très bons dégâts. Ébullition, évidemment. Si Sablero est résistant sur le physique, il n'est pas du tout résistant sur le spécial, ça va suffire à le tuer. Mon petit Slender est KO, il aura quand même fait du taf, puisque l'Orbe Vie et la Tempête de Sable vont suffire à finir cet Amphinobi. Donc là, on voit quand même l'utilité de la Tempête de Sable, parfois. Tout simplement, qui tue des Pokémon, hein. c'est pas rien. Florizarre est envoyé, il a plus beaucoup de vie, et j'envoie mon Cryptero. Donc quand même très efficace contre Florizarre. Florizarre se fait mettre KO sur les pièges de roc. Il nous reste le Flanduzard. Et je décide de switcher tout simplement. Je n'ai pas envie de sacrifier mon antique. Et j'ai bien fait parce que la partie n'est pas finie. Le Flanduzard a encore des tours dans sa besace puisqu'il lance un atterrissage qui va lui rendre des PV. Bon,
Je décide de méga évoluer avec mon Tyranocif, Tombstone. Même si c'est une femelle, ça rigole pas trop, Tyranocif en méga. Un autre atterrissage du côté du Flambusard. Là, je sais pas quelles attaques a Flambusard, peut-être demi-tour contre Tyranocif. Éboulement de mon côté qui loupe. Bon, ça m'étonnerait que ce Flambusard me one HKO. Du coup, voilà, demi-tour qui fait des dégâts pour du super efficace, c'est bon, c'est peu quoi. Et éboulement qui termine ce Flambusard en faiblesse x4, donc aucune surprise. Il fallait que ça arrive. Fringus 44 perd le match, je parviens à le gagner. Donc je parviens à me qualifier pour la demi-finale, donc je suis quand même assez content de mon équipe qui arrive quand même, ma foi, assez loin. Donc Fringus, le match était vraiment cool. Après, quelques petites erreurs, enfin, je pense que j'ai fait des bonnes anticipations, notamment sur le pouvoir lunaire, sur le Scalproi, par exemple. La tempête de sable aussi t'as pas mal désavantagé par rapport à ton Amphinomy. Voilà, les pièges de roc, le hurlement sur Flambusard a été aussi très méchant. Voilà, donc on va se retrouver maintenant pour le match numéro 3 de ce deuxième round, donc le match qui va opposer Jeannot du 65 à Topli. C'est parti, salut à tous et on se retrouve tout de suite.